Seigneur. C'était comme la plupart des garçons, moi j'ai pas été élevé dans un foyer chrétien. Et on a grandi comme ça, on a grandi dans un foyer de misère. C'était l'alcool et puis les cachets. On a grandi comme ça, moi mes parents ils me donnaient ce que je voulais. Ils n'étaient pas méchants avec nous. Mais le foyer de mes parents c'était une catastrophe. C'était les cachets, c'était la boisson, c'était mon père était devenu alcoolique. Ma mère, vous savez, les petites boîtes de cachets verts, les Exomil, j'en ai vu passer quelques fois. Et un jour, on était à Toulon, puis mes parents étaient séparés. Ma mère était à Lyon, et puis on a su que ma petite cousine s'est repérée d'une opération assez grave de la tête. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a remonté à Lyon. Et puis là, mes parents sont repris, puis là, ils ont fait des réunions sur la petite place des Ignons qu'on était. Et moi, je le savais que les choses de Dieu, c'était la vérité. Dans mon cœur, c'était comme ça. Et puis, je me disais, tout le temps, plus tard, j'ai le temps. Et un jour, on était sur la place, et puis là, ils avaient mis une petite camping pour faire la réunion. Et j'ai dit à mon cousin, on fait rien quand même, on va pas à la réunion de soir. Et il me dit, vas-y, on y va. Donc, je suis monté dans la réunion, vous savez quoi, j'avais 17 ans. Hein. Tout ce que le prédicateur, il disait, ça m'entrait dans le cœur. Et je me sentais sale devant Dieu. J'y sais pas possible que c'est comme ça. Et le prédicateur, il a fait un appel. Et quand il a fait un appel, j'ai donné mon cœur à Dieu. J'ai été tout de suite baptisé du Saint-Esprit. Amen. Et quand j'ai descendu d'un camping, là, j'ai vu la montagne. J'ai vu mes parents. J'ai vu le foyer, comment ils étaient. Et je me suis dit, Seigneur, comment je vais faire? Et vous savez, le Seigneur, il a plani les sentiers, lui. Amen. On est parti en mission. J'ai demandé à mon père si on pouvait partir en mission. On est parti en mission. Je me suis baptisé dans l'été, là, je me suis baptisé, tout était impeccable. Et j'ai pris un petit quart d'heure de prière, comme on fait des fois l'été. On prend un petit quart d'heure de prière, on priait tous les jours. Mais moi, le quart d'heure de prière, je l'ai pris à cœur. Et vous savez quoi? Le Seigneur l'a écouté, ma prière. Un jour, j'ai vu mon père revenir, il n'avait plus le même visage. C'était un chrétien. Un jour, je guettais pas la fenêtre de mon petit camping, comme ça, je guettais pas la fenêtre, j'ai vu ma mère mettre de l'eau dans la boîte d'examen et l'acheter. Elle était délivrée instantanément. Vous savez maintenant le foyer de mes parents, foyer d'alcool, de cachet, c'est devenu un foyer de serviteurs de Dieu. Il sert le Seigneur. Moi j'ai continué ma vie, je me suis marié, j'ai fondé un foyer, j'ai des petits que le Seigneur garde tous les jours, et le Seigneur m'a donné un grand cadeau cet été-là. Il m'a demandé une grande chose, je me suis levé pour servir le Seigneur. Je sais que le Seigneur va bénir parce que moi, j'ai pas les épaules de le faire, je pense que personne les a les épaules. Mais le Seigneur va me donner la force d'avancer. Vous savez, je vais vous dire une chose qu'on dit tout le temps. Je vais vous dire une chose, c'est la plus belle chose qu'on peut faire. Amen. Mais vous savez pourquoi on vous l'a dit la chose là? Qu'on vous la répète parce que c'est la vérité. Il n'y a rien de plus dans le monde. La plus belle chose, c'est d'appartenir au Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.